Bien, bonjour à vous tous mes chers guests, c'est Voodoo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, nous allons faire, je vais vous présenter un tuto sur les pixel art, que d'ailleurs vous m'avez quand même posé beaucoup, posé la question. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Et du coup, je vais vous présenter. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc pas d'intro sur cette vidéo parce que nous sommes sur console. Donc vous inquiétez pas, je vous dirai à tout de suite. Et on se retrouve sur mes pancartes, enfin surtout mes pixel art. Donc comme vous pouvez voir, il y a Exotic Island et la fiche des Explore Aventure que vous pouvez voir vers l'entrée de la Terre des Bûcherons. Là je vais vous expliquer un petit peu près les niveaux que vous allez avoir. Et voilà, en tout cas, je vous conseille justement à bien noter qu'est-ce que je vais vous dire. Alors, en fait, il y a une application que je peux vous conseiller, à moins que vous pouvez faire sur PC ou vous essayez de trouver des sites sur les pixel art en Minecraft, vous pouvez chercher sur Internet. Ça existe en tout cas, mais pour vous dire, il faut, je vous préfère mieux vous proposer d'aller sur votre portable. Il y a une application qui existe sur Play Store. Donc ça s'appelle Photocrafter, donc voilà, j'ai juste affiché comme ça au moins vous pouvez le noter. Et donc voilà, donc à la main j'ai la pancarte, hein, donc vous aurez juste à besoin, donc là elle est vide. Par exemple, voilà, elle est juste ici, vous pouvez le tenir à la main. Ah, d'ailleurs, ok, là j'ai un guest qui m'appelle, enfin c'est surtout un ami, hein, je vous rassure. Alors du coup, voilà. Donc par exemple, vous voyez ce bloc. Vous savez très bien, en tout cas... Pas comment ça marche. Ok, là on varie encore. Je vais faire toute une ligne en tout cas. Ok, là on voit rien. Ah, regardez, vous voyez, là on voit les traces. Donc voilà, je pense que vous avez pu voir comment ça fonctionnait. Alors d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie pour ce tuto, n'hésitez pas en tout cas pour me demander justement. Et puis bah si c'est pas le cas, bah, je pense que vous aurez quand même assez compris comment ça marche. Donc écoutez, cette fois je vais vous laisser les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour très bientôt pour les prochaines aventures sur cette chaîne. Et puis bah pensez à vous, enfin promenez bien vous justement. Et puis on se retrouvera pour très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, à bientôt les amis, je vous laisse. Ciao!